Yep, tout le monde, c'est Gaël, nous sommes ici pour une toute nouvelle vidéo. Alors, comme on marquait, là, on est à la dernière vidéo sur cette petite série de points d'entrée. Alors, j'espère que cette petite série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et même si ça vous a pas plu, dites-le. Comme ça évitera que je fasse d'autres vidéos sur points d'entrée qui ne vous intéressent tout simplement pas. Alors, ça va pas être un tutoriel à proprement parler. Enfin, on peut considérer ça comme un tutoriel. Mais ça va être moi qui fera la mission en entier. Donc ça montrera un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire dans ce niveau qui s'appelle Crépuscule Noir en français. Je vous avoue que j'ai passé bien un week-end pour tourner cette petite vidéo. J'aimerais bien avoir un petit pouce bleu. Ça ferait un plaisir, comme vous entendrez sûrement à la fin. Mais j'étais plutôt fatigué. Bon, sans plus tarder, on y va. Toi qui fais partie des 94% à regarder mes vidéos mais ne pas être abonné, abonne-toi et je te vois. Toi aussi je te vois. Oh qu'il est mignon ce petit chat! Mais je te vois quand même. Abonne-toi. Sinon je bah rien en fait. Mais abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, c'est très important. Il faut pas l'oublier. Alors, si je me rappelle bien, des équipements qu'il faut utiliser pour cette map, je vais changer directement le mode ici. Alors, ça je prends et je prends une caméra avec moi. Un chalumeau, ouais. Bon, je vais mettre ça. Je mets ça, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi je mets ça à une caméra? De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec le tutoriel. Allez, ciao tout le monde! Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais on va le faire en mode discret, en mode silencieux, voilà. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, du coup je vous le dis maintenant en post-prod. Donc voilà, profitez de la vidéo. Allez, ciao! Vas-y, parle. Le pistolet, programmeur, ok. Et pompe. Ok, ça c'est fait. Bon, après, t'as passé combien de kilos? Un ralenti de ouf. Alors, ça vient avec moi, et ça vient avec moi. Un torticolis, mon ref. Bon. Excuse-moi, mais t'es un petit peu lent. Merci. C'est sympa, mon ref. Ok, nickel. Super. Tout ça pour faire ça. Merci mon ref. C'est ce que tu veux au moins ou... Ok, ça c'est fait. Hop là, on prend.
La dynamite. Ok, c'est tranquille. Mais pourquoi vous êtes tous là? Bougez! Merci. Hop là. Une petite bombe. Une petite bombe. Hop, je prends ta tenue, ça te dérange pas? Hop là, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Rien dire cette manip là. Ok, je vais rechercher la dynamite. Pas de la cicade, de la dynamite. Hop là. Hop là. Une garde d'élite. Là. Non, là, pas de dossier. Pas de dossier. Pas de dossier. Un dossier. Nickel. Nickel. Oh non, tu vois là où j'ai besoin d'y aller. Ouais, il est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Ça monte pas, ça m'arrange. Ah, ok. Ok, tape. Un tournevis. Intéressant. Il faudrait que je trouve le chef des programmeurs. Pourquoi elle me suit, elle? Je vais passer par là. Ça joue. Hop là. Il me reste 10 minutes. Normalement, ça devrait bien se passer. Bonsoir. Ok, ici il n'y a rien. Bon, la moyen que je tourne dans le vide. Hein. Salle de commande.
Et truc normal. Et je vais prendre mon sac à dos. Et le bourriner de che. Jure à quoi c'est. Ah. Chalumeau. Pas besoin. Hop. Bon, pas très indiscret, mais bon. J'arrive pas à comprendre cette partie-là. Du coup, on va faire à la version semi-brute, à la perceuse. Nickel, ça me regarde, mais ça me voit pas vraiment. Ok, ça me voit vraiment. Ouais, bon, là. Mais bouge. Va ailleurs. Va travailler. Mais il va pas travailler, lui, c'est un bordel. Merci, voilà, c'est bien. Mais oh, non, mais les frérots! Vous avez rien vu. C'est normal que je sois ici. Ouais, mais j'ai. Ok, j'ai fait un échec pour le leader du programme, mais. Je comprends pas. Ok, vous m'avez vu, vous m'avez pas vu. Putain, je n'ai plus de sprint. Qu'est-ce que t'as? Nickel, tu me passes le code. Ça, c'est nickel. Bon, ce que je viens de faire, ça sert strictement à rien. Ah, si. Prendre le sprint, c'est quelque chose. Hein. Ce ne serait pas ici, peut-être, le papier. Ouais, mais comme c'est marqué échec. Je le saurais pas. Ok. Ok. Alors, plus que les deux duos, et normalement, c'est terminé. Ouais, on peut pas faire. La plus du parcours. Ça c'est pas cool les refs par contre. C'est pas cool. Même de respect, je suis un garde d'élite. Hein. Ok. Non, moi je pourrais me barrer. Mission complétée. Ben oui, mission complétée, mon ref. Voilà! La masterclass. La masterclass que je viens de réaliser. Alors, difficulté
10 000, pas d'alerte, 2 000, pas de victime. Jure, j'ai fait une victime. D'accord, je me rappelle pas d'avoir fait une victime. Bonus pro, ouais. Contrat 3 000, bonus 0, portée de bonus 50% dépenses. Voilà, ça c'est. Vous voulez que je vous dise une anecdote par rapport à ça? Là, j'ai passé qu'une heure à faire ce truc que je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, depuis que je suis en fait dans la salle des gardes, j'ai vu qu'on pouvait faire un téléchargement et j'ai attendu. Et j'ai vu que ça me donnait la carte du coffre, du coup voilà, ça me donnait le coffre. Et que pour en bas, bah, j'avais vu qu'il y avait des fichiers à prendre, mais bon, j'ai pas réussi à trouver après un troisième fichier ou le chef des programmeurs. Du coup, j'ai dit, bon, on va faire la semi-bourrin, on va mettre avec la perceuse, ça marche aussi. Donc voilà, c'était le dernier tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo, et peut-être la suite de celle-ci, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, si je ferai d'autres tutoriels sur ce jeu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!